Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter l'histoire de trois joyeux lurons, fidèles compagnons de Poséidon, voguant entre mer et horizon, à la recherche de leurs plus beaux poissons. La mer était leur allié, et leur bateau de fier destrier. Et ils s'en allaient, bravant les tempêtes et les mouettes, pour accomplir leur quête, pêcher une grosse sèche. Les amoureux de la pêche. Alors, ça va dire, les gars ? Vas-y, le verre. Oh, Dieu. Oui, j'ai mal à mon échine. Vas-y, Francis. Vas-y, Dédé. La forme ? Eh, écoute, assieds-tu. Mais il veut me mettre... Alors, pour vous, la pêche, c'est vivant ? Oh, ben oui, moi. Ça, la pêche, c'est vivant, c'est sûr. Il y en a qui vivent pour la peinture, les arts, la chasse, tu vois. Mais nous, c'est la pêche, ça, c'est sûr. Ouais, c'est évident. C'est évident. Mais pourtant, il y a des poissons noirs à la fin. Mais cela a-t-il toujours été le cas? Voici nos joyeux lurons, il y a 43 ans. Salut Dédé, salut GG. La pêche. C'est avant tout une communion avec la nature, à contact avec l'océan. Moi je trouve que la bonne expérience vachement importante. Pour la pêche ? Ah oui, pêcher. Salut. Moi j'aime la pêche depuis que je suis tout petit. C'est ma passion, c'est ma vie. Ben, c'est sûr qu'il faut avoir une âme de poète pour être pêcheur. Hein. Ah Dédé ! En fait c'est clair. Dédé il s'éclate. Hé ! T'as une touche ! C'est ta mère. Ah ! Dédé ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la pêche en général ? C'est un grand boss quoi. C'est comme ta première fois de la mer là-dessus. C'est quand tu l'as pas fait tout. Très bien. Ouais, toi, moi, c'est mon grand-père qui m'a tout appris. Je fais pas l'argent lui alors qu'il est, hein. Non, mais surtout, il faut bien dire que la pêche au Morgane, bon, c'est bien typique des îles, ouais. Quoi. Avec une ce qu'on peut la trouver ailleurs qu'ici, ouais. Ça c'est des conneries, ouais. C'est encore bien ici qu'elle est la meilleure, hein. C'est la fineuse. Ouais, et pensez, je suis d'accord avec toi, mais il y en a pas même qui disent qu'on peut la pêcher sans une turbine, là. Attends, il n'y a pas que des cons sur la terre, hein. C'est encore avec la turlute qu'on la pêche là-bas. Mais comment tu pêches une morgane sans une turlute, on n'est pas possible. Enfin, bon. Il faut dire que la pêche, c'est une communion, quoi. C'est un contact avec l'océan, c'est un contact avec la nature. Bah oui, c'est ça, on peut chercher. Hein. Bah oui. Donc pour vous, il faut avoir une âme de poète pour... Oh, parle plus tard. C'est essentiel. C'est essentiel. Et je la voyais venir, celle-là. Bah, c'est comme l'autre jour, Marco qui me dit, je voudrais pêcher des jambes. Bah, c'est comme mes jambes. C'est Marco.
Oh bordel! Eh ben il venait! Apprenez les mortes! L'équipe de Il était une fois rencontre un petit problème technique. Merci de bien vouloir patienter. Ça, forme, hein. Ça c'est qu'une morgade. Ouais, mais c'était pas le problème. Attends, attends. T'es tué en forme, mec. Ça. On l'avait élevé. Mais ta gueule, toi, il était sans son de merde. Reviens, va prendre le bordel. Faut pas s'énerver. Il nous reste Nicolas. Nicolas, où est-il? Nicolas. Bon, de toute façon, je dirais, comme le disait Charles Baudelaire, l'océan n'ouvre guère sa main que pour faire renoyer une couche profonde où le pêcheur se dit qu'il dormira demain. Ah ouais. Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça. Tu es là. Bon, c'est un peu les copains de la camaraderie, quoi, hein. Ouais. Au fond, quelle est la différence entre le bon et le mauvais pêcheur? Il y a le bon et le mauvais pêcheur, mais l'un ne va pas sans l'autre.
Ouais, c'est la diversité qui fait la variété. C'est beau. Vous avez raison, les gars. Il faut de tout pour faire un monde. Au fond, ils ont chacun une âme. Pourquoi les juger? C'est un être humain. Quelle belle phrase philosophique. Allez, santé. Apéro. Apéro nouveau. À l'amitié. Et les risques, vous m'avez parlé de votre copain Henri. Ah, mais ça c'est une autre histoire pour deux, trois jours. Hein. La bougeonne était, on s'en va à la pêche avec le petit canot. Pêche à la morgade, allez, on va aller à la pêche à la morgade et tout. Il faisait beau ce jour-là, puis... Ah, mais je prenais sur les têtes. Je vois, tu cherches à quoi derrière, je dis, il se passe quelque chose. Je regarde, c'était Henri, là, dans l'œil. Là. Claque. Non, mais t'es obligé d'arracher. Fil, baiser ma turlute. Enfin, ce qui est dommage dans l'affaire, c'est une turlute comme ça, j'en aurais jamais deux. C'est dramatique. C'est la turlute, quoi. Une turlute. C'est chier. Avertissement. Les images que vous allez voir sont particulièrement violentes. Salut GG, ça va? Ça va. Dépêche? Oui, je suis dépêché. Ouais, ouais. Un peu de drague, hein? Bon, je vais essayer de la remettre. Ça va, je regarde parce que. Allez, hop! Oh merde! Oh non! Il est con! Oh non! Ah, il est vraiment con! Oh non! Ah, il l'a mis dans la vie! Ah! Oh, excuse-moi, mon pied! Ah non! Attends, regarde! On dit que pêche rime avec beuverie. Ah mais, c'est des conneries tout à l'heure, autant. Bon, enfin, faut dire que le bon pêcheur, quand il part en mer, s'il vient avec 2 ou 3-4 litres dans le sang. 3-4 litres, c'est un minimum. C'est un minimum, parce que bon, ouais, c'est nickel. Ça tient chaud au cœur. Mais ce n'est pas dangereux? Mais non, mais faut bien se dire, c'est pour donner du courage, quoi. Parce que bon. Quand on va à la Morgane, ça fait quoi? C'est un 100 grammes à tout casser, quoi. Bon, mais quand on remonte, faut pouvoir la relever, quoi. C'est ça qui est compliqué. Ouais, faut lui laisser une chance, Morgane. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et donc, où trouve-t-on les coins à Morgane? Jamais un joli lieu où on trouve les coins à Morgane. Déjà, mais c'est pas pour vous, de toute façon. Ah, c'est vrai, c'est pour nous. Pour les gens qui peuvent jouer. Il y a encore mieux de faire le BF. C'est la chanson de la nuit que son corps d'aveugle. Celle qui nous fait danser, danser sur tous les clés. C'est ton idée. Et à tout en regardant ton tour puissant. Je t'empêche faire l'esclavage sur Estacar. Je t'empêche faire l'esclavage sur Estacar. La pêche rime pas avec beuverie, c'est la beuverie qui rime avec la pêche. Jamais un bon pêcheur ne doit partir sous en pêche. Il doit toujours être sobre. Est-ce que passer la vie à la mer, l'offre sa vie. Exactement. Je pense que pour un marin, c'est pour la mer, il faut que tu sois sobre. Santé, mes frères. Santé. À l'amitié.
64.